Alors bonjour à tous, on va essayer de faire notre premier circuit training ensemble. Donc dans un premier temps, on s'échauffera. Ensuite, on fera 5 exercices et on les répétera 4 fois. Ensuite, on va se faire un petit étirement. D'accord? Et enfin, il y aura la question bonbon. Vous verrez. Donc vous avez besoin de votre gourde, d'une serviette pour prendre appui ou d'un tapis si vous en avez un. Allez, je vais me mettre en place. Donc je vais m'éloigner, j'espère que vous allez entendre ce que je vous dis. Donc je vais repasser en clair après. Allez, c'est parti. Allez, fais la tête. Donc on part du haut et on descend pour ne rien oublier. Donc les épaules. On passe au bassin. Côté, devant, côté, derrière. On fait deux tours dans un sens et deux dans l'autre. Je descends sur mes genoux. Donc ici, on écarte un peu les pieds. On fléchit, on rebondit. On se redresse, on appuie. Fléchit. On rebondit. Pour faire les chevilles. On passe de pointe sur les talons. Voilà, donc là, on était sur de l'articulaire. On va passer sur du cardiovasculaire avec petite course sur place. On court et puis au top, on fait monter le genou. Allez, top. Et sur place. Au top, on fait talon fesse. Top. Sur place. Prochain top, on fera jumping jack. Allez, top. Sur place. Et donc au prochain top. Top. Et top. Voilà. Donc on va commencer le circuit. J'espère que ici à peu près on me verra. Donc j'ai mis un timer. Je vais lancer. Donc on est parti pour 30 secondes d'exercice et 30 secondes de repos. Donc le premier, jumping jack. Donc j'attends la cloche. Donc on pense à bien respirer. On rentre les abdos, les fesses. Si certains trouvent que les bras c'est fatigant, vous pouvez faire ici, hein, c'est pas un souci. Allez, 5 secondes. Voilà. Donc bien sûr, si vous avez de la fièvre, si vous toussez, si vous vous sentez malade, vous ne faites pas la séance. Lors des exercices, si vous avez une douleur, ben vous cessez, vous faites plus lentement, vous gérez votre rythme. Encore 10 secondes de repos et on passera aux abdos. Alors ici, les jambes relevées, les mains là, et là. On a bien le bas du dos sur le sol. Mes épaules ne touchent jamais le sol.
10 secondes. Donc nos 30 secondes de repos. Et ensuite, on va faire la planche. Donc c'est toujours du gainage. Et après, ça sera des squats. Encore 10 secondes. 5 secondes. Donc planche, surtout pas de dos creux. Allez. Donc on n'est pas ici, on n'est pas comme ça. On a les épaules au-dessus des coudes. On contracte les fessiers, les abdos et on n'oublie pas de respirer. Allez, c'est terminé. Donc ensuite, on va faire le skieur. Donc c'est comme ça. On est là. Toc, 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 toc. Donc ça, c'est encore du cardio. Donc vous pouvez le faire plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement. Encore 10 secondes de récup. Donc je vais vous le faire de face et après de profil. Enfin, c'est assez simple. Mais ça fait bien monter le cardio. Donc c'est sympa. Allez. Donc c'est le skieur. On regarde loin devant, on rentre les abdos, le ventre, et on respire. Je me grandis, je fais pas comme ça. Voilà. Ok, ensuite, donc là on a les 30 secondes, ensuite on passera au squat. Donc sur les squats, vous amenez bien les fesses en arrière et le dos ne bouge pas. Ne venez pas en avant. Donc vous pareil, les squats à votre vitesse. Donc je pars en arrière. Je pousse les fesses en arrière. Si vous êtes en forme, vous venez là et hop, on fait un saut. Alors, le premier run est terminé. Donc on va le recommencer encore 3 fois. Jumping jack. Repos. Donc on fera ensuite les abdos. Cinq secondes. Three, two, one, rest.
Donc ensuite, c'est la planche. En fait, on aurait dû faire le skieur, puis la planche. Mais on va faire le skieur et après la planche. Comme ça, sur la planche, on récupère au niveau du cœur. 5 secondes. 3, 2, 1, go. Allez. Donc on se grandit, on se gaine. On respire. La planche, les squats et le deuxième tour sera fini. Allez. On pense à bien respirer. On peut écarter les pieds si on veut. On peut faire sur une jambe si on veut. C'est plus difficile. Sur l'autre. Donc on va faire les squats et on aura fini le deuxième round. Donc les pieds à peu près comme les épaules. Allez. Donc à votre vitesse. Faites bien attention de ne pas venir ici, mais d'aller derrière. Et si vous le souhaitez, vous pouvez sauter. Oups. Donc deuxième round terminé, on fait le troisième. On commence par les jumping jacks. Allez. On respire. Les abdos. Donc on va faire le skieur, ensuite la planche et les squats. Donc là, le skieur. Three, two,
la planche, les squats, et on aura fini le troisième run. Allez, les squats. Donc les fesses bien en arrière. On a fini les trois, le dernier, et c'est terminé, on passera aux étirements. Hop. Allez. Les abdos. Allez, c'est bientôt fini. On lâche pas. Les abdos, le skieur, la planche et les squats, et c'est terminé. Le skieur. Cinq secondes. Regarde loin devant, contracte les abdos et on respire bien. Donc la planche, les squats et on passera aux étirements. Donc là on contracte bien les abdos, on verrouille, ceinture scapulaire, abdominale. Allez,
Fais les squats. Les squats et c'est terminé. C'est terminé. Ah, on va passer aux étirements. Donc avec les squats, on a fait travailler les fessiers. Donc là, on va étirer les fessiers, ici. Donc je passe ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite qui est droite. Je mets mon coude droit ici et je tourne dans l'autre sens. On fait pareil de l'autre côté. Donc j'ai maintenu 10 secondes. En fermeture, ça va nous étirer les ischios et le dos. Donc je suis ici et je viens sur l'avant du corps. Là, je viens m'asseoir mes fesses sur mes talons et je vais mettre mon buste ici, les bras loin devant. On repasse ici. Souvent. Voilà pour les étirements. Alors, on va passer à la question bonbon. Donc, à la fin de chaque séance, je vous poserai une petite question. Et il faudra que vous fassiez une recherche pour trouver la réponse. Cette réponse, vous me l'envoyez sur Pronote, ou alors vous la mettez en commentaire sous la vidéo. Et puis, il y aura distribution de bonbons quand on se reverra, j'espère le plus tôt possible. Alors, c'est une anecdote. Il s'agit d'une anecdote. Écoutez bien ce que je vous dis, parce qu'il y a plein d'indices dans ce que je vais vous raconter pour trouver qui a dit quoi. Donc, on recherche le nom d'une grande personne, d'un grand homme. Et je vais vous donner une petite histoire pour vous aider. Donc, c'est une dame qui s'est adressée à ce monsieur que vous cherchez. Et elle lui a dit « Sœur !» On ne sait pas qui. Si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. Et la personne que l'on recherche a répondu, chère lady, si j'étais votre époux, je le boirais.
qui a donné cette jolie petite réponse? À vos recherches. J'ai parlé de sœur, de lady et de thé. Ok. Allez, à plus tard.